Hey hey hey! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Isaac Afterbirth, motherfuckers! Et dans cet épisode... Déjà on va jouer en normal. Et pourquoi on se ferait pas un petit épisode bien tranquillou avec Isaac, hein? Voilà. Donc voilà la seed pour cet épisode. Voilà voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Ouh, déjà un trou du cul pour commencer. Un enculé de sa race. Putain, ils ont changé ceux-là ou bien... Oui, ou alors ils étaient aussi chiants de base. Parce que putain. Ah, ils se téléportent en plus. Putain, voilà. Alors ça, je vais le reroll tout de suite. Parce que ça, je le veux pas, quoi. C'est beaucoup mieux. Voilà. Black Candle, dès le début. Ce run est plutôt cool. Même s'il a fallu affronter un ennemi chiant, c'est pas grave au final. Ah, allez. Ok, en plus on a des clés. Non, franchement, c'est bien, c'est un bon début. Très très cool. Si on pouvait maintenant avoir une cheatée, ça serait super. Ou alors un truc qu'on n'a pas eu depuis longtemps, mais qui est bien quand même. Ça serait bien aussi, ça. Je pense que l'item room, elle est là, en fait. Plutôt par là. Yep. Ouh, il y a un rocher X en plus. C'est bon, ça. Ouh, attendez. Deux petites minutes. J'ai oublié de faire mes chromes, en fait. Parce qu'on n'a pas besoin de chrome, là. Voilà. Laisse-moi la RAM pour Isaac. Ah, common cold, mouais. Bah je vais le laisser là au cas où on peut reroll parce que franchement il y a mieux quoi. Bah même si je pense pas qu'on pourra reroll. Quoi qu'attends, merde non. Ah c'était pas le boss après. Ah il y a peut-être pile le nombre de salles qu'il faut alors. Peut-être. Encore une fois, c'est pas dit. Est-ce que je tente la secret room ici? Ouais. Ah, elle est là en plus. Ouh. Waouh. Ok, bah on va aller au shop alors. Et au shop, il y a certainement une batterie, donc au pire, on pourra faire des trucs. Ouh, putain, c'est bon ça. Alors, PhD ou Sackhead? Honnêtement, en plus j'ai Isaac là, donc la question ne se pose pas. Sackhead! Et c'est maintenant que j'ai une Skeleton Key et une... non pardon, une clé dorée. Évidemment. Je vais quand même acheter la clé. Ouais. Bon, bon, bon. Est-ce qu'il y a une batterie? J'ai pas vu. Il y a pas de batterie, donc en plus, ouais, je suis un peu baisé, quoi. Ok, il y a des ennemis là, c'est parfait. On va pouvoir reroll. On va espérer que quelque chose de bien se déclenche. Allez, hop. Bon, déjà, ça s'épine. Ça devrait aller. Juste lui qui est plus chiant que le boss, finalement. Voilà. Ah, peut-être pas, en fait. Bon, enfin, on est bien. De toute façon, je suis un mec qui a un sac sur la tête et une bougie dessus. C'est normal, quoi. C'est ça qu'on aime dans Isaac. C'est débile! Bon, Pin, si tu pouvais crever maintenant, ça serait cool. Allez, allez, allez. Ah! Ouh. Ça se reroll pas. Oh la vache. Ok, très très bon tout ça. Donc range up, tears up, ça évidemment faut le prendre. Hein. C'est un tears up quoi, merde. Ça se reroll pas de base. Et je vais reroll le common cold, parce qu'honnêtement je pense qu'on peut avoir vachement mieux quoi. Bah voilà, c'est vachement mieux. Ok. Donc c'était le premier étage, hein, je vous rappelle. Un peu cheaté quand même. Hein. Allez, next. Ça c'est fait, putain, waouh. Comment rendre un run cheaté dès le début, quoi. Super. J'ai que deux clés, donc je vais les garder. Ouais. Bon, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top, mais bon. Oh. Allez. Ok. Fallait se mettre où déjà? Fallait se mettre là où je suis, je crois en plus. Hein.
booster. Très gaffe. Ah, c'est ça. Pouf. Bon, par là, peut-être. Enfin, il y a sûrement quelque chose, de toute façon, mais... Il y a le boss, d'accord. Pourquoi pas, mais bon. J'attends d'avoir un reroll, de toute façon. Ça, c'est sûr. Oh, la vache. Ça, ça peut être très intéressant. Du genre encore plus intéressant que d'habitude. Et alors, dans l'item room... Mais... J'ai pas envie d'avoir ça, parce que c'est un speeddown, en fait. Ça, c'est chiant. Ok, bah, crevez tous, hein. Allez, donc on va le reroll. Allez, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Je crois que c'est un des premiers, si c'est pas le premier item que j'ai eu dans Rebirth, d'ailleurs. C'est un des premiers, ouais. Je l'avais eu dans mon premier run, je crois. Bon, ben... Little Horn. Ça devrait aller. On va d'abord péter la flamme rouge, parce que voilà. Hein. Oh, il m'aime. Regardez comme c'est mignon. Ou pas. Connard. Enfin, remarque, je crois qu'il a buté sa bouboule noire lui-même, en fait. Allez, le slip de mum, on va le laisser là. Ah, c'est pas des deals. C'est nul. Oh putain. Oh là. Allez, une trois... Putain, une troisième. Ah, ah hein. Ouh, la vache. Alors, Two of Clubs, c'est des bombes, Tower, Hangman, Tower. Bah, les lents. Pas génial. Du coup, on va reroll ça jusqu'à ce que ça devienne cool. C'est déjà cool. Encore du tears up, hein. Il faut toujours prendre le tears up. Ça, c'est capital comme truc. Allez, next. C'est pas que je speedrun en plus, hein. Mais voilà quoi. Alors, Caves 1. Ouh, il y a des sacs. Sac aide avec le D6, c'est tellement cool. Parce qu'il y a des sacs partout. Et du coup, dans les sacs, il y a des batteries. Et merde. Du coup, ça va nous faire plein de rerolls. Le ski, plein de cartes. Hein. Dans les sacs, il y a des cartes. Il peut y avoir des runes aussi. Surtout des runes Gera, vous voyez ce que je veux dire. Allez. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore une batterie, des pièces. Oh, je pense que de toute façon, on va y aller au shop, là, donc... Donc, bon. Et j'utilise pas encore mon Two of Clubs, parce que là, c'est la pire utilisation qu'on pourrait en faire. Ah! Pourquoi Tears Down? Ouh. Ok. Bon, remarque, le Tears Down, je le sens pas vraiment, là, donc... Bon, ça va. Et on tente Charlotte et Mom, parfait. Oh. Ok. C'était pas parfait, ça. Seringue jaune, c'est expérimental. Treatment. Allez, ouais. Il faut un peu de YOLO, hein, donc j'ai eu un HP up. Ouais. Bon. Oh. What? Ah ok, j'ai Isaac qui a crash en fait, ok. Oh putain. Alors attendez, deux secondes, je le relance. Ah mais lol, qu'est-ce qui se passe encore? Ah je sais pas si OBS va aimer ça. Alors attendez, deux secondes, je reviens avec vous, deux minutes. Restez avec moi. Non, ça va. OBS capte la fenêtre, tout va bien. Alors est-ce qu'on peut... Enfin on peut continuer, ouais, voilà, y a pas de problème. Je pense qu'on est bon, hein. Du coup... Ah, du coup, j'en suis au début de l'étage. Bon, bah, se le refaire, alors, du coup. Je vais peut-être pas perdre mes cœurs noirs, maintenant, c'est cool. Bon, on a perdu, quoi, 2 minutes. Même pas. Bon, si ça le refait, par contre, ça va faire chier, mais bon. Allez, lève-toi. Lève-toi encore. Ah, non, ça va, il est mort. Et relève-toi, voilà. Ça, c'est fait. Wheel of Fortune, donc toujours, hein. Alors, en plus, on sait que dans les merdes, on va avoir plein de pièces. Du coup... Enfin, je suppose, hein. Ouais, déjà, c'est... la même pièce dans la même merde. Et ça, c'est...
Bon, vous savez quoi, pour le délire, je vais quand même le prendre, mais... Voilà, on va faire comme si je savais pas, hein. Parce que sinon, ouais, c'est pas juste et tout. Non, mais je comprends. Bon, j'espère que ça va pas recrash. Ah, l'item room en plus. Mais oui, c'est là que ça avait crash, non? Ah non, on l'avait vu, l'item. Ah, je sais plus, merde. J'ai déjà oublié. Ouais, alors, en tout cas, je me rappelle que dans cette salle... Ah non, c'était expérimental traitement et on l'avait pris, ouais. Je suis con. Là-dedans, il y avait ça, c'est vrai. Oh merde. Ok. Allez. Donc, ça, on le reprend, voilà. Je gagne encore un cœur, c'est à peu près le même truc, hein. Voilà, cette fois, ça a pas crash, tout va bien. Hein. Putain, ça faisait super longtemps que ça avait pas crash, n'empêche. Hein. Voilà. Il y a une batterie là-dedans. Et là, il y a le shop, donc on va y aller. Ouh, je pense qu'on va reroll le shop en fait. Hein. On va déjà mettre une bombe là pour avoir plein de pièces. Et plein de sacs et plein de batteries du coup. Ouais, du coup, on est déjà un petit peu cheaté là. Two of clubs. Alors attends, deux secondes. Two of clubs. Voilà. Et ça, c'est The Magician. Ok, on va reroll. Pas terrible tout ça. Non, je pense qu'on va continuer à reroll. Ça, c'est cool. Pas de question de reroll ça. On va continuer. Ouais, ben non, je peux. Mais non, on va pas continuer parce que je peux plus rien acheter. Haha. Et ça, c'est une bombe en fait, ouais. Ok, alors. Continuons. Il y a encore des. Il y a plein de batteries partout. De toute façon, ça c'est. Oh, vous savez quoi, ces champignons, je les sens bien. Bah, en fait, non. Tant pis. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans cette grande salle? De la TNT partout. Est-ce que ça vous permet d'accéder au milieu? Oui. Super! Bah voilà! La petite salle, c'est fait! No problemo! Hein. Je vais quand même prendre les pièces qui sont là, parce que bon, hein, c'est des pièces, hein, après tout il en faut! Hein. Des bonies! Oh merde! Allez, voilà! Ben il me manque un cœur, donc ouais! Ma foi, pourquoi pas. Ah, sac aide. J'adore trop ce truc. Ok. Ah. Ok, ça passe. Et là, on a le boss. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu? Je crois pas. Hein. Je crois pas. Donc, bon... C'est pestilence, donc on va certainement reroll parce que le cube of meat j'ai pas trop envie. Hein. Oh. Ouah. Non. Putain. Alors je sais pas si je pourrais avoir un deal de toute façon, mais non. Ah mais c'est vrai que j'ai Zer's options maintenant. On va carrément prendre ça, je pense. 4 hein. Cœurs gris quoi. Et puis on va se barrer parce que quoique non j'ai 15 pièces. Vous savez quoi, on va retourner au shop. Alors c'est loin, mais bon, c'est pas grave, parce que le shop, c'est vraiment un truc qui a beaucoup de potentiel quand même. Le shop, ça peut vraiment te rendre un cheaté aussi, hein. C'est pareil, hein, donc voilà. Alors, c'est vrai que c'est vachement loin quand même, c'est pas grave. Et je voulais... Ah non, il n'y a plus de batterie en fait. Bah écoutez, on va prendre ça, vous savez quoi. Ah, je pensais que c'était mon troisième item de mum. Mais en fait, non. Ah bah, il y a une batterie là, en fait. Ok. Donc, on va pouvoir avoir deux trinkets, maintenant. Et j'espère que ça va synergiser un peu, tout ça, là. Ça serait cool. Bon, ben, en attendant, on va descendre. J'ai 6 clés. Très, très bien. Ce run, il est super, hein. Franchement. Déjà, la puissance et tout. Et en plus, sac aide qui permet de faire des trucs débiles, si jamais ça peut, hein. Allez, Caves 2. Et allez, ça commence. Oh la vache. 5 bombes. Mais c'est encore plus débile. Puis on va carrément aller là-dedans. Ah, c'est un 1. Ah, c'est un 1. Ah, je sais pas. Je suis tenté, hein, mais... Je vais attendre d'avoir l'item de l'étage, en fait, pour voir.
S'il est bon, au moins ça me prend une garantie d'un bon item après reroll. Enfin, c'est compliqué, mais voilà quoi. Je préfère avoir une légère garantie avant de me reroll moi-même. Bah, des noms. On va juste voir ce que c'est que ce coffre. Moi, ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, grande salle qui mène au boss, d'accord. Alors, d'accord, mais en fait, non, pas maintenant. Oh, quoi que. Si je me reroll. Ah, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Alors, Justice. Ok, ça c'est cool. The Fool. C'est pas terrible. Non, The Fool c'est définitivement pas terrible. Mais j'aimerais quand même voir l'item room avant de. Avant de faire quoi que ce soit. Ça c'est pas l'item room. Une salle dans laquelle je ne peux pas aller. Et on va carrément prendre ça, très très bien. Oula, d'accord. Allez, 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 crève. Bon, ça, ça va. C'est le genre d'ennemi que la première fois que tu joues à ce jeu, tu te dis putain, c'est horrible comme salle. Et en fait, non, ça va. Ceux-là aussi, c'est pareil. Ça, c'est le genre de salle où tu meurs au début, quoi. Gauche, droite, connard. Hey. Donc l'item de l'étage. Oh, on peut le reroll en plus. Ah bah on va pas se gêner, hein. Non. S'il te plaît. Ah putain, merde. Vous faites tout chier, voilà. Alors du coup. What? J'arrive pas à comprendre ce que j'ai en fait. On va. C'est bizarre. Mais j'ai Continuum, ça c'est sûr, vu la couleur. J'ai Cricket's Body. Des fois ça explose, what the fuck. Ah, mais j'ai le Fruitcake en fait. Attends. Ouais, j'ai le Fruitcake, ok. Ah, j'ai le machin toxique là aussi. En fait, ça peut être marrant comme run. Fruitcake, de toute façon, c'est marrant. Et puis vous savez quoi, le Rainbow Baby. Rainbow Baby, je le prends. Et on va garder ce trinket plutôt. Alors du coup, oui, j'ai perdu pas mal de trucs là. J'ai perdu notamment... Enfin, je sais pas, mais j'ai perdu des trucs quoi. C'était quoi que je voulais faire? Ah mais me reroll. Ah bah non, du coup, non. Je vais garder celui-là. Oh, vous savez quoi? Non, en fait. Non, il est pas... Il est trop lent, c'est ça le problème. Fruitcake, c'est drôle, mais... Ah voilà, là c'est mieux, c'est plus rapide. Je peux plus tirer, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, je charge un tir. Wouah. Ok. Oh putain, ça va être fun. Ah merde, attends, j'ai... Ah, j'ai plus le D6. Qu'est-ce que j'en ai fait? Attends, il serait pas toujours là-bas, le D6? J'ai un petit doute, là. Ah, si je l'ai perdu, c'est nul. Oh merde. Bon, bah... Bon, bah fuck, alors. Ok, bah plus de D6, c'est pas grave, hein, on va dire. Ah, puis j'ai une deuxième vie, tiens. Ok. Je peux pas garder le D4 non plus, il a disparu. Bon, bah fuck, hein. The Stain, alors est-ce que... Ouais, ça fait mal, ok. Ah, ça fait pas aussi mal que ce que je voudrais, mais... Mais bon, ça fait le boulot quand même, hein. Et puis j'ai une Angel Room en plus. Non, mais c'est débile, là. Ah, le Holy Grail. Donc je vole en plus. Et on va carrément se faire les anges, putain, si on peut avoir la clé comme ça. Pourquoi pas? Parce que en plus, je tire fort là, hein. Wow. Alors j'ai toujours le sac aide, visiblement. Parce que ça, je veux dire, plein de sacs d'un coup comme ça. Et puis on va se barrer, hein, écoutez. C'est très bizarre comme run d'un coup là. Alors, Depth 1. On va commencer à charger un tir quand même. Putain, mais la puissance que ça prend. Oh, mais attends, je suis rouge. Est-ce que j'aurai pas Lusty Blood en plus? Attends, je vais juste regarder vite fait. Mais si, j'ai Lusty Blood. Oh putain que c'est bon ça. On va garder Jugement, c'est pas mal. Ah putain, par contre tu mets longtemps à charger mon tir. Par contre une fois chargé, voilà hein. Ça fait le boulot, c'est efficace. C'est radical même hein. Une clé dorée, toujours bien. Toujours apprécié. Vous, vous êtes pas mort parce que vous êtes des connards.
Et maintenant vous êtes morts parce que vous êtes des connards. Ah, the clubs, allez. The sun, oui, je veux la map. Et ça c'est Judgment, ok. Alors la secret room est là. Donc tant qu'à faire. Elle contient pas grid, elle contient une machine. Donc ouais, on va pouvoir aller au shop. Ouais, il est là, tout est par là, c'est cool. C'est parfait, c'est le bonheur. Alors attends, on va les regrouper un peu là. J'adore ce truc, hein, en tout cas. Est-ce que j'aurais pas de chocolate milk en même temps? Ah non, j'ai milk tout court, en fait. Ou alors c'est ça, c'est chocolate milk. Ah, je sais plus. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus je charge, plus ça tire gros, vraiment, quoi. Ah, quoi que je suis pas sûr, en fait. Bienvenue dans le run où je suis pas sûr. Donc cancer, en plus. Non, mais lol. Alors, autant cancer, ça sert strictement à rien maintenant. Ah mais non, c'est milk, j'ai la tasse qui me suit, je suis con. Autant cancer, ça sert à rien maintenant, mais pour le late game, on peut dire que j'ai déjà gagné, quoi, donc... Mais alors, est-ce que j'ai gagné de quelle façon ridicule? C'est ça, la question, quoi. Et au shop, y a grid, en plus. Bah voilà, donc... Pourquoi j'ai dit qu'il y aurait pas grid? Je suis débile, en fait. Bon, il me donne la Steam Sale, donc... Au cas où le prochain shop est faisable. Et puis surtout que là on joue pour les Angel Room, hein. Je le rappelle. Je veux dire, on veut Godhead, quoi, en gros, ça serait tellement putain de... Ça serait du délire total, quoi. Allez, on va péter tous les crânes parce qu'on peut. Oh putain. Et que j'aimerais bien un Joker ou une carte... Je sais pas d'ailleurs. Enfin, on a eu quoi là? On a eu Strength. Ok, pas besoin. Je tire bien assez fort déjà. Allez, le boss. C'est War. Putain. Ah, ça fait mal, hein? Yeah. Ça, c'est bon. En plus, ça, c'est un rocher X. Alors. Ouh. Wow. Crown of Light. Alors, ça. Ça, c'est un putain de damage up, quoi! La vache! Alors, Crown of Light, c'est simple. À chaque salle, tant que je me fais pas toucher, j'ai un méga damage up, quoi. Mais genre très puissant, quoi. Alors, je sais plus si. Non, je crois que c'est à chaque salle, c'est pas à chaque étage, quand même. Ça serait moisi du cul, sinon. Alors, Cube of Meat. Puis on va se barrer, hein. Putain, cet épisode! Date puissance! Puis en plus, maintenant, on a la clé. Donc, on sait très bien comment il va se terminer, l'épisode. Alors... une Devil Room, bah écoute... Ah bah merde, bon bah je voulais pas le prendre mais je l'ai pris, tant pis, écoute, du coup voilà, hein. Et bah du coup, Judgment, donne-moi Brimstone. Oh, c'est quoi cette merde? Bon, bah ok, hein. Et l'autre? Une bombe, ok. Alors je me suis fait toucher mais j'ai toujours ma couronne, donc ça doit être dans chaque salle en fait. Ce qui est complètement cheaté, putain! Waouh! Putain, mais la taille de mes tirs, c'est n'importe quoi! Allez, un truc encore pire! Piggy Bank, ouais. Pas génial. Ça, on va le péter parce qu'on en a rien à foutre. Je veux bien la clé, par contre. Parce qu'il faut toujours les clés. La clé, c'est l'item le plus important dans ce jeu, quoi. C'est les clés. J'allais dire, où c'est qu'il faut que je me mette pour buter les trois, mais en fait... Oui. Oui, pour cancer. Je charge beaucoup plus vite, en théorie, donc. Alors, hop, et hop. Et 10 pièces, putain, mais... C'est quoi ce run de ouf, quoi? Ce run... Et en plus, le pire, c'est que... Je crois qu'il y a Erwan qui a mis un épisode aujourd'hui qui s'appelle Potentiel de reroll ou un truc comme ça. Mec, je pense que j'en ai plus que toi, j'ai pas vu ton run, mais putain. Et en plus, il y a une merde arc-en-ciel, donc je dois le faire. Ah, je suis en forme d'un coup. Waouh. J'étais pas trop en forme les derniers jours, mais là, putain. Waouh. Ah, ça requinque, hein. Allez, bam, vous êtes mort.
Un cœur jaune en plus, non mais... j'ai pas vu le shop, donc il faut que j'aille au shop. Et il faut qu'il restocke dedans, ça serait tellement cool. Allez, faites-moi ça. Faites-moi ce cadeau, les mecs. Les mecs du shop, les... Pff, le cup, allez. Le délire continue. Ou alors qu'il y a un item qui s'utilise aussi, ça peut être marrant parce que... Il y a un rocher X là en tout cas. Bon, alors... Pas génial. Ah, ça charge quand même doucement encore. Hein. Pas de Steam Sale. Alors on va quand même acheter ça parce que YOLO. Et que du coup je deviens môme en plus. Elsep. Puberty. Perks, ok. Et Tears Up, oh, génial. Ok, bah c'est super. Franchement très bien. The Empress, c'est bien aussi. On va même acheter la clé. Puis on va même acheter la bombe, je veux dire. À ce stade du jeu, hein, voilà. Bon. Bah voilà, on a tout fait. Ah quoi que... Attends. Est-ce qu'elle peut être là, la Secret Room? Mais elle est là en plus. Ah ouais, attends, j'ai eu un Tears Up, je le sens là, waouh. Ça charge encore plus vite. Très très bon. Cet épisode, putain, mais cet épisode! C'est nimp! Mais vraiment, quoi! Allez, mum! Ah, on est encore loin du one-shot, mais quand même, hein! Alors, pas de deal, mais on a déjà eu le deal. Est-ce qu'on ferait pas la Dark Room? Hein? Maintenant que j'ai plus le D6. Allez. On va prendre le négatif, direction de la Dark Room cette fois. Histoire de changer un peu du chest, hein, c'est juste ça. Curse of Darkness dans The Womb, waouh. On n'y voit plus grand chose. C'est dommage. Bon, enfin, ça va, je pense que pour YouTube, ça devrait suffire. Lust, ok. Meurs. Et le virus. Et Foulel, ça, super. En fait, non. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça c'est fait. Challenge Room. Ouais, des coffres rouges. Oh bah ok, lol, hein. Allez, on prend. Donc, Dark Matter, Damage Up, Fear Shot. Et le Book of Sin, donc. Qui me donne une pilule. Power Pill. Bon, ok. C'était pas le truc le plus utile. Je retourne au deal, y a pas de problème. Allez, je prends la Bob's Curse maintenant. Et putain, Chubb. Comme t'as pris cher, la vache. En même temps, quand j'ai des tirs qui font la taille de l'écran, voilà quoi, c'est radical quoi. Alors lui, je l'ai one shot, déjà assez rassurant. L'autre aussi, voilà. Non, mais c'est voilà quoi. Un run classique de Isaac, hein, vraiment. Hein, c'est encore des pilules. Alors Tears Up, excellent. Bombs Arkin, non, par contre, je vais garder les clés plutôt. On ne sait jamais. Puis bon, 17 bombes, c'est largement assez, quoi. Surtout que je les utilise pas tant que ça. Ouais. Ah, si j'étais resté au centre, peut-être ça aurait tout tué dans la salle. Mais c'est n'importe quoi. Cœur gris, bien. Oh, Capispo. OMG, quoi. Du coup, en fait, je sais même pas quoi en faire. Je le reposer. En fait, je m'en fous, quoi. À la limite, je vais faire ça. Je vais me mettre à 4 cœurs rouges. Ça suffit amplement. C'est même trop. Et il en reste un. Oh, il en reste. Putain. Hein. Clé, ok. Ah, le boss. En fait, ça tue presque tout dans la salle à chaque fois. Hein. Conquest. LOL. Ah ouais, alors je m'attendais quand même pas à le tuer, mais en fait si, donc bon, ok, d'accord. Et le deal, on l'a déjà pris. Ok, alors, y a pas un rocher X ici par hasard? Le hasard total, non, bon, allez, on va retourner à un étage où il fait jour, hein. Parce que, bon, faut pas déconner, quand même. Womb 2, on est à 24 minutes. Ah, 24 minutes à Womb 2, mais dis donc, c'est intéressant, ça. Bon, ça, je m'en fous. Non, on va essayer d'aller vite au boss, hein. Comme ça, si en plus on peut se faire hush, hein.
Moi, y a pas de souci quoi. Et un petit cœur noir en plus. Allez. Non, je préfère garder le cancer. Ça me fait tirer vachement plus vite. Et c'est tout ce que je, veux, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qu'on aime. Et c'est pas par là, fuck. Alors, par contre, mes tirs s'arrêtent quand elles croisent un mur, mais ça, je crois que c'est normal. Même avec Death Touch, ça passe pas à travers... Ah, je sais plus, en fait. Mais, on s'en fout. Un œil, bah en fait, non, tout est mort. Non, mais cherchez pas, vous êtes mort. Non, mais de fistula, non, mais lol. Pas de rocher X, on s'en fout. Le boss, super, il nous aura fallu donc 15 secondes pour le trouver, à peu près. Oh là là, bon, bah allez, hein. Et Thieves. Ah, j'ai pas tué les yeux, merde. Je m'attendais au moins ça. Bon, pas de deal, malheureusement. Mais par contre, pas de problème pour aller à Hush, hein. Donc on va le faire, parce que franchement, là, c'est tellement ridicule comme truc. Donc, Hush. Enfin, le Blue Bomb. On va d'abord aller voir ce qu'il y a dans le shop. Ouais... Bon, enfin, de toute façon, j'ai tellement de pièces, autant tout acheter, hein. Alors, le Glowing Hourglass. La map, on va reprendre ça parce que le Hourglass, c'est un peu de la daube. La carte, c'est The Chariot, ça m'intéresse pas. La pilule, c'est Tears Down, ça m'intéresse pas trop non plus, hein. Du coup, le reste du fric, on va le donner, en fait. Alors oui, je sais, la dernière fois que j'ai parlé de la machine à donation, elle était au-dessus de 400, je crois, hein. Mais c'est à force de faire des runs avec Keeper, ça, ça coûte cher. Oh putain, il y a une Define. Et il y a un Rocher X. Ah, c'en était pas un, en fait, d'accord. Bon, déjà, on va prendre ça, hein, ça c'est sûr. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Deep Pocket... Non, c'est Number 2, ça. Non, on va prendre ça, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Le Heavy Light. Tiens, d'ailleurs, ça va faire quoi, en fait? Je sais même plus si c'est ce que ça fait, en fait. Donc bon, tant pis. Abel, d'accord. Si tu veux. J'aurais préféré Steven, mais bon. Vu que t'es là. Hein. Et ça va être le YOLO. Isaac versus Hush. Le retour du retour. Est-ce que ça va être le one-shot? Ah, pas du tout, d'accord. Un peu décevant. Ah, il prend pas si cher que ça, lui, hein. Et t'es mort. Allez, on va claquer ZM Press, tant qu'à faire. Là, par contre, je charge vite, en fait. Waouh. Là, par contre, c'est fou, parce que... Quand je tire, je vois plus les tirs ennemis, quoi. Alors, je sais pas trop pourquoi je tire vachement moins vite. Ah, mais c'était peut-être... Lusty Blood qui me faisait faire ça. Alors du coup, j'attends une chose avec impatience, c'est qu'il y ait les petites mouches ou quelque chose comme ça, histoire que j'ai un énorme damage up dans la salle, quoi. C'est déjà que je suis plus ou moins rouge. Oh, remarque, je l'ai peut-être déjà eu, en fait. Oh. Hush, s'il te plaît. Alors en plus, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai ramassé le cancer. Donc, à partir de quand tu te fais toucher, en fait, avec cancer, tu as le wafer. Tu prends un demi-cœur au lieu d'un cœur à chaque fois à partir de The Womb. Et du coup... Waouh, la vache. Comment j'ai évité ça? Je ne sais pas. Et du coup, bah, c'est cheaté, voilà, c'est tout. Ouais, vas-y, continue avec... Continue avec Continuum, ouais, ouais, ouais. Oh, je suis bien placé, en plus. Oh, trop cool, regardez sa vie qui descend. Oh, je suis encore bien placé. Putain, mais mec, t'as tellement pas de bol. Allez, dégage. Oh, les petits, salut les dudes. Ouais, ça, c'est réglé. En plus, des fois, je tire des dents. Donc, j'ai tough love, hein, évidemment. Mais, putain. Elles doivent faire mal, hein. Wow. Alors, attends, on va buter tout le monde, là. Voilà. S'il te plaît, arrête de faire ça, c'est chiant. Tu fais perdre du temps à tout le monde, là. Je veux dire, mec, il y a des fois... Des fois, ok, tu gagnes à l'aise, hein. Je suis d'accord, des fois, t'es vraiment un boss chiant. Là, non, quoi. Donc, voilà, dégage. Oh, mince, tu m'as eu. Oh, zut.
comme je me moque. Je sens que la prochaine fois que je vais affronter Hush, je vais pleurer ma race, quoi. Ah merde, je suis pris un truc, j'ai même pas vu quoi. Bon, Hush, tu peux mourir là, s'il te plaît, parce que je veux dire, hein. On y est, quoi, ça y est. Hein. Encore un tir ou deux et c'est bon, quoi. Il suffit juste qu'il se relève. Enfin, qu'il revienne dans notre monde. Ah, il s'est relevé. Eh ben, un tir suffisait, en fait. Ça, c'est fait. Fou. C'était un bon fight, hein. Tu t'es bien battu, mais en fait, t'avais aucune chance dès le début. Puis on va garder Undefined, évidemment. Du coup, autant prendre ça et ça, d'ailleurs. Et je vous rappelle qu'on se dirige vers Sheol. Et évidemment, j'avais pas oublié. Allez, Sheol. Ah, merde. C'est pas grave. ouais. Luck up encore, wow. Putain, mais je one-shot tous les boss. Waouh, j'adore cette puissance. Alors, en plus, j'ai la map. Je pense que le boss doit être tout en bas. Ah. Peut-être à droite. En haut à droite. Oh merde. Moi, je me suis dit, j'avance, hein. C'est bon, quoi. Ouais, non, la couronne se rallume bien à chaque salle. Donc, c'est cheaté, voilà, c'est tout. Death, meurt. Non, mais... On va aller voir par là... Ah, j'ai pas tué Loki. Quelle tragédie. Ah, je pouvais pas tuer tout le monde en même temps, là. En plus, il en reste un. Ah, il est là, le boss. J'avais vu juste... Ok, bon, bah allez, hein. On va pas traîner plus. Satan. Ok, allez, barre-toi. Et puis reviens, si tu veux. Ouais, y'a pas de problème. La vache. Mais cette puissance. Le truc de fou, quoi. Ah non, mais même Méga Satan va en faire de la bouillie, là. Wouah, Curse of the Lost. Oh, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave du tout, quoi. Guppy Z. Oh putain, si en plus on devient Guppy, quoi. Non, mais non, mais non, quoi. Banzarki. Non, merci. Perks. Ah, Perks, ça peut être utile. Enfin, remarque, non, en fait. Enfin, pff, pourquoi pas, mais... C'est utile, mais pas vraiment. Bon, bah, ce qu'on va faire, du coup, c'est utiliser un Undefined, peut-être. On tombe dans la Secret Room. Ah, merde. Quelque chose a décalé ma bombe. Rage. Ah non, c'est anémique, ça, merde. Bon, c'est pas grave. Double machin truc, ok. Voilà. Pas de problème. Par contre, droppez-moi des coffres, les mecs. Oh, ça fait du bien, je vous jure. Cette seed, elle guérit les maladies. Waouh. Enfin, cette seed et ce reroll surtout. Oh mon dieu, mais le reroll de l'amour, quoi. Le money bag, bon. Enfin, le sac, machin truc. De toute façon, je peux pas vraiment reroll. Allez, Undefined. Ah, putain, mais ça marche plus du tout, Undefined, hein. C'est dommage. En plus, j'ai pas la map, donc pour naviguer, c'est un petit peu plus chiant, quand même. Le D8. Vous savez quoi, on est à un stade où je m'en fous, hein, donc voilà. Ouh, j'ai gagné en vitesse. Je tire toujours aussi vite. J'ai l'impression, en plus, de faire plus de dégâts. Qu'est-ce qui a diminué, là? Fais remarque, peut-être rien, hein, en fait. Peut-être c'est possible d'avoir que du bonus avec ça. Alors Libra, par contre, je suis pas tout à fait sûr que c'est bien pour moi, là. Donc, on va dire non à Libra, mais c'est vraiment... par précaution... ultime, quoi, on va dire. Wow,
Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein. Strength, ok, cool. On va faire encore plus mal à Méga Satan quand on y sera. J'aimerais bien finir les tâches d'abord. Et peut-être éventuellement tomber sur une erreur room pour pouvoir le refaire. En boucle. Pendant 40 ans. Choup de whoop. Attention, ça va faire blurk. Daddy, salut. Une bombe, ok. Alors, undefined. Ah, bah, quand même. Surtout ne pas se faire toucher par la main de Mum. Attends, je viens de réaliser, il n'y a pas de trappe, il y a une sortie. What? Ah, je sais pourquoi, c'est parce que c'est pas l'Error Room, c'est la Super Secret Room. Hematemesis. Ah, merde, pas terrible du coup. Enfin, remarque, attends, ça dépend de ce qu'il y a dans ce coffre, est-ce que ça valait le coup? Pas du tout, d'accord. La pioche de Minecraft. Et non, c'est la Super Secret Room, ça. Oh, je suis baisé, là. Oh, j'y ai tellement cru. Mais effectivement, c'est pas une sale Error Room s'il n'y a pas Error dedans. Oh. Bon, vous pouvez aller crever, vous. C'est un peu chiant, là. Prenez trop de temps à mourir. Non, finalement, j'ai peut-être eu un gros damage down, en fait, mais c'est pas grave. En dessus, vision, ça ne me la rend pas. C'est pas grave. Putain, par contre, où suis-je dans l'étage, là? J'en sais rien. Alors. Clé, un cœur, une pièce... Ouais, non, mais c'est bien, tout ça, mais on s'en fout, quoi. Lol. Oh putain, il y en a combien? Je dirais qu'il y en a 3. Peut-être 4, ouais, plutôt 4. Un coffre qui contient Bob's Rotten Head. Je crois que je suis à 2 objets de Bob aussi. Hein. Et ça, c'est le boss. Du coup, Undefined. Ça, c'est encore la putain de Super Secret Room de merde. Est-ce que j'ai fait tout l'étage? Ah, non. Ok, on continue alors. Alors moi, tant que j'ai pas tout fait, hein, si je pouvais avoir un truc qui enlève les curses, comme par exemple la Black Candle que j'avais eu dès le début du premier run. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on s'éclate. Ou alors un petit coffre rouge, histoire d'être guppy, ou je sais pas. Alors, rubber cement, je sais pas trop si ça marche. Ah si, ça marche, ok. Putain, j'ai une tronche avec ça, oh la vache. Ouais, non, si, ça va, ça marche plus ou moins. Les tirs restent plus au centre de la pièce, maintenant. Alors, attends, est-ce que j'ai tout fait par là? Il me semble, hein. Ah bah non. Et en plus, là, on a la secret room. D'accord. Du coup, ça veut dire que ça, c'est fait, et que ça aussi, c'est fait. Ouais, 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 ouais. Bah, je crois qu'on a fini l'étage, hein, les mecs. Malheureusement, hein... C'est pas non plus... Ouais, non, hein. On a tout fait. Donc, bah, pas de chance pour Undefined. Mais bon, c'est pas grave. L'épisode n'est pas encore tout à fait fini. Ouais, on va garder Perk. De toute façon, je m'en fous à ce stade. Merde, c'était par où? C'était là? Putain, je sais plus. Ouais, je crois qu'il est là, le boss. Ouais. Bon, bah, le boss, alors. The Lamb. Ah, ça fait mal, hein. Ah, tu souffres, hein. Il est déjà éteint, le truc. Oh, la vache. Je l'ai trichot, quoi. Alors, évidemment, c'est pas fini. Non. Ah, mais non, attends, on va garder ça. Eh, remarque, je sais pas si je bats Satan, j'aurais peut-être une charge avec, non? Je sais plus du tout, putain. Si on peut utiliser Undefined juste avant le... Ça va faire quoi, d'ailleurs? Ouh, pour la science, on peut peut-être essayer un truc. Donc, allez, hop. Mega Satan. Je suis pas sûr d'avoir une charge. Hein. Mais si ça marche, j'essaye, mais bon, sinon... Hein. Allez, salut, dude! Tu es déjà mort. Oh non, tu m'as eu. War, s'il te plaît. Voilà. Satan. Satan la bite. Envy. Lol. Mais lol.
mais encore lol, mais de plus en plus lol, c'est le reroll du lol. Allez, premier ange c'est fait, deuxième ange c'est fait, maintenant il reste plus que Méga Satan, mon seul ennemi. Il est déjà presque mort, on utilise Perks parce que YOLO. Et voilà, je pense qu'on est bon là. Ah, pas tout à fait. Oh, dis donc, il résiste. Esquive totale, non, bon, tant pis. Allez, hop. Le YOLO, et voilà, le YOLO qui marche. Et finalement, on n'a pas de charge. Je spam la barre d'espace. Alors, je l'ai spammé. Je l'ai spammé un peu trop, d'ailleurs. Il y a eu une charge, mais on peut rien en faire. Donc voilà, c'est la petite leçon du jour. Ça sert à rien. Putain, mais un Define, merde, ça marchait tellement bien avant, quoi. Pour avoir des Error Room en boucle, on pouvait se faire le dernier étage 50 fois, quoi. C'était trop bien. Bref. Donc, en tout cas, bah voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Je pense que oui, hein, quand même, parce que putain, celui-là, bien épique. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Donc, salut à tous, portez-vous bien, et joyeux Noël !